prêt à s'imposer. Il s'appelle Simon Perrin. Salut David, il s'est envolé dans les premiers. Les premiers 500 mètres du parcours. Et au fil des minutes et des kilomètres, il a fait quelque chose de clair. C'est l'homme fort du jour, une ovation pour ce champion jurassien qui est Manu David. Le coureur terrain de la franchise de la ligne, et pour la troisième fois dans ce film, les foules de Travoise, ah, vous pouvez taper vers la République. Champion, Sébastien Chaplet peut s'offrir la troisième place alors que pour la deuxième place alors que pour la troisième place Philippe. Combien je crois Sébastien Chaplet, dixième, le deuxième. Philippe Robin, troisième. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Philippe Robin, troisième. Alors que Sébastien Chaplet termine en deuxième position et que pour la quatrième place, c'est un des frères Ribeiro. Ribeiro qui va se l'offrir, je crois. Ah, je suis presque sûr que c'est pas Georges, mais c'est son frère. Alors que Georges est au bout de la ligne droite, voyez un peu la santé de ces garçons. Oh que ça va vite, oh que ça va très vite. Voilà l'arrivée donc du numéro 5, Michel Ribeiro. Michel Ribeiro pour la première fois dans l'année sous les courses jurassiennes, mais c'est toujours un écran. Eh bien, bravo Michel, il avait déjà très bien vu l'an passé. Et pour la cinquième place maintenant, Georges Ribeiro, le vétéran toujours invincible, infatigable, le moment de jour rouge. Georges Ribeiro vient en terminer. Pour la sixième place maintenant, avec le dossard numéro 120, nous saluons là Martin Douarque. Alors que juste derrière lui, eh bien c'est Alexandre Rognon qui arrive. Alexandre Rognon, le maillot noir qui vient franchir la ligne d'arrivée. Et Sébastien Stadler arrive maintenant le triathlète jurassien. Sébastien Stadler dans l'équipe premiere. Oh que c'est un très très vite. Juste derrière lui, c'est le parrain qui arrive. Jean-Paul Bourgeois arrive aussi. Oh là 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 là, Jean-Paul Bourgeois. Toujours en grand forme, Jean-Paul. Et nous avons tout de suite devant lui. Et c'est le dossard numéro 33, je crois. Il s'agit là de Lionel Fouillon. Et juste derrière eux, le 241 que j'ai battu mes plaquettes, mes garçons aussi de garder son chronomètre. Oh, le plus en plus, mes le garçon moi, et termine en beauté, et ça termine très fort. Le 133 arrive aussi. Il s'agit d'un de Jorin. Francesco Cristiano. Le 76 arrivé de Olivier Faure. Le 261, nous saluons là Guillaume Pubiot. 283 et 171, c'est Edouard Akizer qui arrive. Avec 240, Gilles Combert franchit la ligne. 144, nous saluons la Nicolas Bourrin. Et Philippe Gourdi arrive aussi. Bravo Philippe. Très beau parcours pour Philippe Gourdi.
Le Mozart 287 a franchi la ligne. Johan Drouin a franchi la ligne d'arrivée. Le 234 vient d'arriver. Damien Vulin, lui aussi, a franchi la ligne. Bravo au 245, François Hugon. Alors que derrière, avec le 222, nous saluons Jean-François Pétard. Bravo Jean-François. Et on continue de voir arriver au loin les coureurs qui se succèdent. Qui ne devrait pas taper. Alors attention, après Manu David, le 35e coureur arrive. Le 35e coureur franchit la ligne d'arrivée. Alors qu'Olivier Ridé, bravo Olivier. Olivier Ridé est arrivé, le triathlète. Le 244, Olivier Ferre arrive aussi. L'organisateur à Murcia de la Tour du Grand Zémorique le 4 juillet. Le 74. Qui franchit la ligne d'arrivée, David de Crotet vient d'arriver. Soit beaucoup.